Salut Sandrine. Écoute, merci de m'accueillir chez toi. En fait, je viens de récupérer mes juments qui sont a priori du coup pleines, on vient de faire l'écho. Et puis du coup, j'avais envie vraiment de présenter ton projet, parce que ton projet me plaît, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et puis, voilà, est-ce que tu as envie de nous parler de ton projet, ce que tu proposes, ce que tu m'as proposé à moi pour mes juments? Voilà, il y a Chaman. Voilà, Chaman est parti, est prêt pour que tu parles. Oui, bah justement, Chaman, c'est lui qui illustre, on va dire, ce que je propose, donc au cheval naturel, donc élevage de chevaux de couleur, mais aussi d'autres activités tout autour du cheval, du bien-être du cheval et de l'environnement. Donc initialement, élevage, donc Chaman que je propose à la saillie en liberté, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le respect au plus proche des besoins fondamentaux du cheval. Ah, c'est donc, super. Donc il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'insémination. Non. C'est les juments qui choisissent. Chaman, j'ai la chance qu'il soit vraiment très courtois, très respectueux des juments. Il ne saillit que au moment opportun. Il aime faire la cour à ses juments. Et en règle générale, dès le premier coup, c'est bon. Comme on a vu avec justement les juments, Victoire et Céline. Ouais, c'est chouette. La chamane se dit, attends, les filles sont là. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu le caractère de chamane? Alors, chamane, je l'ai eu quand il était tout bébé encore avec sa maman. D'accord. Il est arrivé ici la veille de ses 4 mois. Et déjà, je trouvais en lui, quand je l'ai vu en photo, pour moi, c'était un cheval sacré, avec l'implantation des différentes taches. Et pendant qu'il était tout poulain, en fait, il avait un caractère très sage. Très calme, très intériorisé, très sensible aussi. Et j'ai une relation spécifique avec lui, notamment quand il a perdu sa maman d'un arrêt cardiaque. Et c'est là la première fois. Il avait quel âge? C'était en 2015, il avait 3 ans. D'accord. Et c'était la première fois où je l'ai entendu hennir, réellement. Wow. Un hennissement de douleur. Wow. Il a toujours été très, très sage, très pondéré, très calme. Et tu disais très respectueux avec les juments, Très respectueux, ouais. Oui. C'est-à-dire que depuis que je l'ai, il a connu les juments dès sa naissance, en fait, que ce soit sa mère ou d'autres juments. Donc il a appris très rapidement comment se comporter face aux juments et que les juments, finalement, c'est pas si facile que ça. C'est à ses humeurs. Donc il préfère garder ses distances. Et puis venir saillir quand c'est le bon moment. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que quand on le voit, il est assez mou, pas très dynamique, c'est un vrai étalon, il se ménage pour ce qui est important, c'est la saillie. Oui, chaman, on parle de toi. Et par contre, il aime bien faire la cour. Au moment où il y a les juments qui arrivent, on l'a vu avec Victoire et Stella, il était tout content de recevoir de nouvelles étiquettes. Ouais. Et tout en respect, à vouloir leur faire des bisous, etc. C'est vrai, il n'y a aucune once de méchanceté. Non. C'est vraiment magnifique. Ouais. Ouais. Et donc, il est attentionné. Donc, dans mon troupeau, donc, j'ai d'autres juments, parce que je fais élevage. T'en as combien? T'as combien d'animaux chez toi, de chevaux chez toi? Alors actuellement j'en ai 9. D'accord. Donc j'ai Chaman. Donc il a, on va dire, ces deux premières premières qui ont fait les poulains, que ce soit Cheyenne et Dakota. Donc j'en ai une troisième aussi, Far West, qui n'a pas encore pouliné et être saillie. Ensuite j'ai un retraité que j'ai accueilli pour sa retraite. Il faisait les championnats de France de horseball, donc j'ai pu lui accorder une retraite tranquille, une vraie vie de cheval au pré, en troupeau, respectueux de ses besoins. Donc lui, c'est lui qui a éduqué Chaman une fois qu'il a été sevré, en fait. D'accord, ok. Voilà, c'est un hongre éducateur. D'accord, en fait, fois que sa maman est décédée, en fait. Avant. D'accord, en fait, déjà avant, d'accord. Avant, oui. Et du coup, Sandrine, tu l'as sevré, il avait quel âge, Chaman? Alors, Chaman, je l'ai sevré à 1 an. D'accord. Donc, au niveau du sevrage de mes poulains, donc c'est 1 an à peu près. D'accord. C'est ce que tu faisais, est-ce que tu fais toujours? Alors, cette année, je fais un test avec les deux derniers poulains qui sont nés l'an dernier. Donc, comme les juments ne repartent pas à la saillie, parce qu'en fin de compte, moi, je ne fais pas de la vente de poulains et de la vente de saillie comme ça. En fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être du poulain. Donc, tant que...
les poulains ne sont pas vendus, je ne vais pas faire d'autres poulains et brader les poulains bien sûr. Intérieurs. Donc là, en fait, en test, je laisse le vrai sevrage naturel. Il est fatigué. Oui, tu disais que tu faisais... Donc cette année, donc un vrai sevrage, c'est-à-dire que c'est les mères qui vont elles-mêmes décider du sevrage. Donc en fait, dans le sevrage, il y a le sevrage alimentaire, mais il y a aussi c'est le sevrage affectif. Émotionnel. Émotionnel. Et c'est celui-ci qui est le plus dur. Exactement. Oui. Et moi, ça me fait très très mal quand j'entends des gens qui sèvrent à 6 mois. Là, c'est tellement horrible, quoi. C'est dramatique, surtout qu'en plus, au moment, quand on pense pourquoi il sèvre à 6 mois, c'est juste pour des raisons financières. Exactement. Parce que c'est avant l'hiver, donc ça coûte cher pour bien complémenter la jument. Mm-hmm. Ensuite, comme la jument souvent est de nouveau pleine, donc il faut vider, on va dire, le stock. Donc sevrer et vendre et brader les poulains en fin d'année. Bien sûr. Et par contre, dans la nature, une jument sèvre son poulain avant la naissance du prochain, donc entre 10 mois et 12 mois. Et ça se fait très bien. De toute façon, dans un troupeau, quand bien même le poulain téterait un peu après, l'étalon chasse ses fils et ses filles à peu près vers 2 ans, 3 ans. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, que ce soit sevrage alimentaire et ou affectif, dans le troupeau à 2-3 ans, c'est fini. Mmh, mmh. Donc là, mon expérience cette année, c'est voir comment les mamans gèrent leurs poulains. Bon, bien évidemment, les mères ne sont pas que avec leurs poulains, elles sont avec le reste. C'est ça qui est important de dire. Voilà, bien ça, sûr. C'est très important. Tu te rends compte que Sandrine, là, c'est toi qui parles de tout ça et que moi, ça fait plein de vidéos, je dis, il faut que je parle du sevrage. Mmh. Et que, donc là, c'est vraiment super qu'on puisse en parler là ensemble. Justement, le sevrage, en fait, il y a deux étapes dans la vie du cheval où il ne faut pas se rater. Le sevrage et le débourrage. C'est ça. En fait, toute la qualité de vie émotionnelle du début, début de vie, quoi. Mmh. Mmh. Et de toute façon, le débourrage, il peut y avoir, par exemple, si le sevrage a été mal fait, au moment du débourrage, il peut y avoir certaines réminiscences dramatiques qui bien réapparaissent. Sûr. Et tout à l'heure, donc, tu disais que ce qui était important, c'est de quand tu la qualité de vie des poulains dépend aussi des tontons, des tatas, des autres copains. Et c'est pas juste poulain et maman, quoi. Non, c'est surtout pas. Parce que là, on voit des chevaux vraiment problématiques. Oui, parce que les mères, elles sont plus laxistes, on va dire, avec leurs poulains. Je propose une pension élevage justement pour poulains. Donc les personnes qui ont leur poulain ou qui veulent acheter un poulain, mais à 1 an ou 6 mois, le poulain, en fin de compte, il n'est pas prêt à être débourré. Les personnes cherchent toujours un poulain pour avoir une relation privilégiée avec son cheval, mais le poulain, il n'a pas besoin de nous. En fait, ce dont il a besoin dans ses premières années de vie, c'est une vie en troupeau. Exactement. Pour connaître les codes du troupeau. Exactement, exactement. Et donc ce que je propose, c'est justement avec ces poulains, intégrés dans mon troupeau, donc ils connaissent le code du troupeau et l'interaction progressive avec l'humain pour faire des chevaux équilibrés. Et du coup, tu es d'accord qu'on a des chevaux, on a des chevaux qui sont bien dans leur basket. Bien dans leur basket, Y a, même physiquement, on n'a jamais de problème jamais de problème de veto. C'est des chevaux solides, c'est des chevaux vaillants, c'est des chevaux pétillants, des chevaux, moi j'appelle ça vivants. Oui. Et le troupeau est vraiment. C'est primordial. Ce que j'appelle, c'est l'esprit du troupeau. C'est justement cette force, cette connexion entre les différents chevaux. C'est ça. Et nous, en fin de compte, on intervient au niveau du troupeau, mais au-dessus du troupeau. Mmh, mmh. Exactement. Il ne faut surtout pas en disant « je veux être dans le troupeau, je veux être le dominant ou autre ». Non, rien nous, à voir. On n'est pas un cheval. C'est très bien ce que tu dis, ça. Voilà. Génial. Nous, il faut qu'on apparaisse comme le phare pour le troupeau. Exactement. Pour le guider, au-dessus du troupeau. Mais c'est vrai, pas prendre la place de dominant. Non, surtout pas. Ouais. Parce que nous, on n'a pas la capacité, parce que c'est vrai, quand on regarde les chevaux entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Bien nous, sûr. On ne peut pas interagir rivaliser. De la même manière. Bien sûr. Donc, bien on sûr. Est obligé d'interagir d'une autre manière, au-dessus. Mm-hmm. Donc, c'est ce que je fais. À chaque fois que je leur demande de venir en toute liberté, moi, je travaille beaucoup en liberté. Mm-hmm. Parce que c'est là où on voit vraiment la vraie relation qu'on a avec son cheval. Comme quoi, il nous fait confiance. On ne triche pas. On ne triche pas. S'il le vient, s'il le fait, c'est parce qu'il a envie. Il n'a aucune contrainte. Exactement. Donc, à chaque fois, j'associe, quand je leur demande de venir ou autre, c'est parce qu'il y a quelque chose de positif derrière pour leur montrer, par exemple, il y a quelque chose à manger d'intéressant, une activité intéressante. Là, par exemple, il y avait une étude qui a été faite sur le stress des chevaux quand on les brosse.
D'accord. Comme quoi, les chevaux ne supportaient pas le pansage. Et c'était un élément de stress. Sauf que moi, si on fait le test dans mon troupeau, j'arrive avec les brosses, tout le monde se bat pour être brossé. Génial, génial. Alors là, en fait, c'est comme tous les tests, hein. Sur quel type de chevaux ça a été fait. Si c'est les chevaux de club, forcément le cheval réagit par action-réaction. Bien sûr. Le pansage, c'est avant de travailler. Donc ça veut dire qu'on ne fait plus sa vie avec les copains, avec le troupeau. Donc ça inaugure un moment qui va être négatif. Donc en fin de compte, ce n'est pas tant le pansage sur lequel il stresse, mais c'est sur l'action qui va être après. Bien sûr. Alors que les miens, non. C'est vraiment un moment en intimité, pour eux, ouais. etc. Et ils se battent justement pour être brossés en toute liberté. Moi, quand je m'occupe à brosser, c'est en toute liberté. C'est vraiment parce que le cheval a envie de passer un moment avec moi et autres. Et c'est ça, en fin de compte, au quotidien, de vivre au quotidien avec le troupeau. Quand après, on va mettre le travail, eh ben, tout cet exercice de pré-débourrage, en fait, qui fait au quotidien, c'est ça, n'est qu'une c'est formalité. Ça. Donc ensuite, on présente. En fait, on vit avec eux, on ne se pose pas de questions, on prend les pieds naturellement, on se couche sur eux quand ils sont couchés sur l'herbe. Exactement. Ça se fait, c'est... Et au niveau lié aux poulains, bah, ça tombe bien que tu en parles. Au niveau des poulains, moi, dès le départ, donc, je ne fais pas d'imprégnation dès la naissance comme certaines méthodes, parce que c'est vraiment intrusif. Il y a quand même le lien qui doit être fait entre jument et poulain. Et poulain. Moi, j'utilise la jument comme médiatrice par rapport au poulain. Donc ça se passe même avant le poulinage, que c'est au moment où, par exemple, une jument est gestante. L'accompagner tout le moment de la gestation pour créer un lien fort avec elle, pour qu'après, au moment où elle aura le poulain, elle nous verra comme référent et soutien. Ouais, bien sûr. Et ça se fait avant. De toute façon, avec les chevaux, il faut toujours être calme, patient, savoir anticiper et avancer. Et puis les observer, c'est ça. Beaucoup observer. Ouais. Moi, je propose des stages aussi pour vraiment connaître. Alors, c'est pas des stages au niveau équitation et tout, non, c'est vraiment connaître le cheval. C'est pas l'équitation. C'est exactement c'est ça. Cheval. Et je trouve qu'on a la même philosophie. Quoi, en tout cas, moi, c'est ce que je suis venue chercher chez toi. En fait, je voulais avant tout une monte respectueuse. Ouais, une monte. Une monte. Oui, une saillie vraiment. Tout ce que moi j'ai connu en fait avec tous mes chevaux nés à la maison et que là j'avais plus des talons, mais je voulais absolument que ce soit dans ce cadre là que mes juments soient ok, que tout se passe en accord. Et là du coup j'ai découvert ton univers, j'ai découvert ton univers à toi, l'univers de tes chevaux, l'univers de ta maman avec la permaculture, l'univers de tes arbres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu mets en place pour l'équilibre dans ton domaine qui est hallucinant quoi? Moi, ce que je recherche dans mon petit univers, on va dire, c'est un juste équilibre entre les chevaux, leur environnement et nous, en fait, et l'humain. C'est trouver cet équilibre-là pour que quand on vienne justement à haut cheval naturel, c'est pas qu'un élevage, différentes prestations et tout, c'est surtout un lieu pour venir se ressourcer, trouver ou retrouver une autre connexion avec le cheval. Et avec nous-mêmes. Exactement, avec nous-mêmes. Justement, j'ai reçu certaines personnes, on va dire en développement personnel et tout. Moi, c'est ce que j'essaie de développer. Tout ce qui est médiation équine, un petit peu le équi-coaching aussi. Ça, c'est très intéressant. Bien sûr. En fait, c'est grâce au cheval, on progresse sur nous et on améliore nos relations humaines. Exactement, exactement. Ouais. Ah, c'est vraiment très bien. Et qu'est-ce que tu mets en place par rapport à tes arbres? Là, en fin de compte, bah, c'était sur un gros projet avec tes arbres. C'est un projet long terme. Ouais. Déjà, au niveau, en fait, c'est toute une réflexion sur le lieu d'hébergement du cheval. Donc, les systèmes de piste, on parlait de paddock paradise, etc. Donc, pour respecter les besoins fondamentaux des chevaux. Mais là, justement, c'est un message que j'essaie de faire, de transmettre aux personnes, parce que c'est venu à la mode, en fait, toutes ces portions de piste, paddock paradise. C'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est pas parce qu'on met des couloirs, qu'on sépare l'eau et le foin. Merci c'est un de le dire. Merci, c'est, et ça, c'est bien problème. Ça. Ouais, en je suis d'accord avec toi. Il faut trouver un juste équilibre entre les besoins du cheval, l'environnement, ne pas nuire à la gestion des prairies, et pour que nous, quand on s'en occupe, eh ben, que ça soit pas un esclavage non plus. Trouver justement ce point d'équilibre en harmonie entre ces trois points-là. Et donc mes projets avec mes arbres, alors au moment où je suis arrivée sur la propriété, donc j'avais un plus petit troupeau, hein, je commençais à trois. On a tous commencé à trois. Après, pour finir à plus de 50, oui, non, t'es plus raisonnable. Voilà. J'ai laissé mes chevaux errer et se débrouiller. Il n'y avait pas de clôture, du coup, il n'y avait qu'une clôture extérieure, exactement. Extérieure. Et en fin de compte, au fur et à mesure, en observation, en faisant de la vraie éthologie, pour moi, l'éthologie, c'est l'observation. On observe, qu'elle soit la nature et surtout au niveau du comportement du cheval. Donc j'ai observé leur tracé, parce que c'est bien beau de vouloir faire de jolis designs avec
il y a les couloirs ou des symboles en mandala, j'ai vu certains Paddock Paradise avec... Mais non, il faut respecter le trajet naturel du cheval. Si par exemple il y a une courbe, nous on peut se demander pourquoi. Mais il y a aussi des relations, tout ce qui est géobiologie. Et ça, on ne peut pas le savoir. Pareil, voilà. Je suis d'accord avec donc, toi. Donc il faut laisser les chevaux faire leur tracé. Donc toi tu as observé et après tu as mis en place et tes après, couloirs. Et j'ai mis les pistes qui suivaient justement les habitudes du troupeau. Là après, j'ai le troupeau qui a évolué, je fais des groupes différents. Et justement, au niveau de mes clôtures, c'est toujours des clôtures amovibles. Parce que selon la saison, selon les groupes, il peut y en avoir qui ont des habitudes différentes. Après, avec évolution climatique, ça peut changer. Bien sûr. Je reste toujours à la phase en adaptation. En adaptation. Il faut toujours s'adapter. Je n'aime pas ce qui est figé. Voilà. Il faut toujours s'adapter. Mais c'est pas facile, tu es d'accord? Non, parce que c'est toujours une remise en question. Ah, oui. Et savoir observer, est-ce que là, on est dans le juste par rapport au cheval? Est-ce qu'on est en accord avec ce qui est le dans la bienveillance avec le cheval? C'est pas facile, non, mais c'est un art. Oui, et je trouve ça magnifique. Là, il y avait un projet de tout ce qui était à l'hébergement des chevaux, c'est l'association de développement des sciences équines auquel j'ai participé avec un traceur, GPS traceur, pour regarder combien de kilomètres faisait un cheval sur 24 d'accord, heures, etc. D'accord. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait cette expérimentation, donc je me suis acheté un GPS aussi, et je fais des études pour voir si les circuits que je propose ou autres, parce que je ne peux pas être toujours 24 derrière. Et c'est vrai que ça permet après de lire quelles sont les habitudes d'un tel, à quel moment de la journée, etc. Et tout. Et génial. C'est là où ça permet de voir, par exemple, moi, certains, je ne les voyais pas aller à un certain endroit où je leur proposais des pistes. Et finalement, ils y vont la nuit. Ah, oh, super. Voilà. Donc, ça m'a super. Permis de voir que finalement, tout l'espace que je leur proposais, ils l'occupaient, quoi qu'il en soit, à n'importe quel moment de la journée. Waouh, génial. Ça, c'est pas mal à voir pour faire évoluer. Par exemple, si on voit que finalement, le cheval n'y va pas, se poser la question pourquoi. Voilà, donc après, toujours pareil, aller observer, réfléchir, prendre son temps. C'est ça, et se remettre c'est ça. En question. Et toujours se poser la question, est-ce que ce que je fais, ça correspond à un besoin? Là aussi, il faut un juste équilibre avec l'environnement, parce qu'on n'a pas des hectares et des hectares. En fin de compte, le cheval qui est nomade, il reste bien sûr. Dans ce qu'on nous propose. Mais c'est à nous, dans cet environnement-là, lui proposer différentes choses différentes. Et un univers très riche. Voilà, un univers très riche, mais en harmonie avec la gestion de la prairie globale. Exactement. En parlant de ça, comment est-ce que tu nourris tes chevaux? Parce que tu m'as parlé que tu faisais une partie de ton foin, que tu coupes des feuilles des arbres, des branches d'arbres, du fourrage. Oui. Parce qu'en fin de compte, au niveau du cheval, on va dire qu'on dit herbivore, mais c'est pas que l'herbe. En fait, c'est les herbes et c'est surtout plus un végétarien, on va dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cheval, à la base, son ancêtre, c'est le Eohippus. C'est un petit animal qui est issu du milieu forestier. Donc tout son système digestif, depuis l'apparition du cheval, est hérité de cette Eohippus et en fin de compte, sa flore est faite pour digérer tout ce qui est fibres et plus c'est grossier, mieux c'est. C'est ce que Eric Ancelet d'ailleurs dit. Exactement. Et donc, en fin de compte, le cheval, en fin de compte, c'est pas une vache. C'est presque plus un lapin, finalement. Plus un rongeur. Et c'est vrai, quand on donne dans leur environnement, étant donné qu'on ne peut pas leur permettre d'avoir des centaines et des centaines d'hectares à déplacer, au niveau du lieu d'hébergement, essayer de leur proposer un maximum de choses. Donc, par exemple, les arbres, qui sont là avec de multiples utilisations. On va dire, tout ce qui est les interactions cheval et arbre est vraiment... il y a plein de choses. Que ce soit pas que au niveau pour couper le vent, que ce soit au niveau l'ombrage. Après, il y a pour ça, des mouches aussi. Au niveau le côté fourrager. Et l'arbre aussi est là pour améliorer le lieu de vie du cheval. Au niveau qualité, voilà, c'est ça le sol. Il y a des essences d'arbres de fixateurs d'azote, donc qui vont enrichir au niveau de la prairie. D'autres qui vont aspirer de l'eau. Exactement. Drainer. Pareil, qui vont apporter des nutriments et de la vigueur aux plantes et aux prés du cheval. Donc, c'est un univers extraordinaire. Tout un quoi. Univers. Et justement, ça c'est mon objectif, de remettre des haies, des tracés, mais là aussi beaucoup d'observations pour voir qu'est-ce que ça c'est ce que apporter. Tu m'expliquais la fois dernière, c'était magique. Ah oui. Et donc là, c'est un projet, j'ai commencé l'automne dernier, j'ai encore là et encore 2 ans. Et ça d'accord. Aussi, là, au niveau des arbres, c'est pas comme les clôtures amovibles. Ah oui. Ça se projette beaucoup plus long, dans le long terme.
Et là, avec tout ce qui est changement climatique, j'ai une parcelle qui devient de plus en plus sèche. Donc j'ai fait le test d'implanter une espèce d'arbre qu'on trouve plus dans le sud de la France. Et voilà, pour s'adapter sur ce terrain-là, voilà, sur cette parcelle. Waouh. Ça, c'est très important pour cette harmonie et envisager plus tard. Et bien sûr, tout ce qu'on apporte pour les chevaux, ce n'est pas que pour les chevaux aussi, mais tout l'environnement, tout ce qui est oiseaux, tout ce qui est... Bien sûr, les papillons, bien sûr, les abeilles, tout. Et ça, ce projet, c'est vraiment un projet global. Global, voilà. Exactement. C'est un, moi, j'appelle ça, en tout cas chez moi, un paradis, quoi. Exactement. Un petit paradis, c'est parce que tout a un but, en fait. Eh bien, Manoir. La mare a un but, les fleurs ont un but, les abeilles, on vit tous ensemble, les poules, les chiens, les chats, mon fils, mes chevaux, tout. Et en fait, et c'est ça qui est beau, c'est de se voir que au milieu de sous ces chaînes, sous ces grandes étendues, en fait, il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie dans le sol, il y a de la vie dans l'air. Il y a... Et ça, je l'ai bien vu au moment où je suis arrivée. Et oui. Comme j'ai un étang, j'avais beaucoup de joues. Ben, au fur et à mesure, donc on me disait que de toute façon, ces parcelles, ça valait rien, on pouvait rien en faire. Et progressivement, grâce aux chevaux, avec l'amendement, comme le jonc, etc., en fait, le jonc a régressé et j'ai eu certaines essences qui sont revenues. Et là, c'est devenu des prés sains. Ça fait combien de temps que tu es là ? Je suis arrivée en septembre 2012. D'accord. Voilà. Et là, on est en 2019. Voilà. Et tout n'est pas encore figé. Bien sûr. Au fur et à mesure, et c'est vrai que c'est une expérience. Déjà, moi, ça fait un an, du coup, je suis venue l'année dernière, mais les chaleurs de Stella étaient déjà passées. Oui. Mais du coup, j'ai connu ton projet, et déjà, il y a une énorme évolution déjà en un an. Oui. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on ne s'arrête jamais, quoi. On a soif de vie. Oui. On a l'impression d'être acteur aussi, mais dans le respect. Quand on travaille avec la nature, il ne faut pas travailler contre la nature. Exactement. Parce qu'on s'épuise, elle aura toujours gain de cause, et après, on perd d'argent également. Hein. Si on veut absolument implanter telle chose, ça ne marche pas. Donc, il faut passer par cette phase d'observation, comme avec les chevaux, en fait. Il faut savoir prendre son temps. Et c'est vrai que dans notre époque, en fait, on veut tout de suite. On n'apprend pas justement à se poser, à observer, à se remettre en question, à faire un pas. Et de s'enthousiasmer de la vie. Regarde les lys qui sont à côté de toi. C'est juste magnifique. On va aller faire un petit tour là dans le jardin de ta maman si elle accepte. Moi, je suis fan. Quand on va voir tes chevaux, là, on va aller finir un petit peu tes chevaux. Moi, j'adore voir des êtres vivants, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment super. Moment ou interaction, c'est-à-dire alors qu'ils ont leur vie de cheval, quand même, dès qu'on arrive, ils accourent tous. C'est ça. Pas forcément pour avoir mangé. Bien sûr que non. Ils disent pas du tout. C'est parce qu'ils sont contents d'être avec nous. Là, par exemple, quand je mets le troupeau, là où il y a Victoire et Stella, devant la maison, le jardin, comme j'appelle, pour eux, c'est la sublime récompense. Ils sont vraiment tout proches avec nous. En fait, ici, on vit avec les chevaux. Voilà. C'est vraiment... cet objectif-là et permettre aux personnes qui viennent, et même aux chevaux qui viennent, de se régénérer et d'être calme, d'être zen, que ce soit au contact de chaman pour les juments extérieurs. Bien sûr. Et ça, justement, c'est une petite particularité que j'ai en tant qu'étalonnier, c'est-à-dire, moi, je m'intéresse beaucoup à la psyché de la jument. Parce qu'au niveau de la saillie, c'est vrai que tu m'as posé beaucoup de questions que j'ai adoré. Quoi. Oui. Parce qu'en fin de compte, moi, ce qui m'intéresse, je m'intéresse toujours au devenir du poulain. Parce que je ne suis pas là pour vendre de la saillie. Je souhaite que j'ai mes clients, entre guillemets, connaître pourquoi le poulain. Parce que c'est vrai que le marché il est inondé au niveau du cheval. C'est toujours une loterie sur le poulain. On ne peut pas décider le sexe, la robe, le caractère ou autre. Donc voilà, voir quelle est cette démarche-là. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la jument. Si elle est vraiment prête ou pas. Si elle en a envie, par rapport à l'âge, etc. Mais c'est surtout au niveau si elle en a envie. Et donc, ma particularité, c'est d'aller toujours voir la jument avant qu'elle arrive chez moi. T'as pris le temps l'année dernière, c'est ça. Et tu te souviens que je faisais chaud à ce moment-là. Et c'est très important pour moi, parce que ça me permet de voir où évolue la jument, où évoluera le futur poulain. C'est ça. Mais aussi, ça me permet de voir, de connaître la jument, comment elle est dans son environnement. Mm-hmm. Parce qu'au moment où elle va arriver chez moi, je saurai déjà détecter si elle est en inconfort, si elle est bien, si elle est pas bien. Parce que si on accueille une jument comme ça, juste pour faire saillie, hop, on fait payer la saillie, un poulain, tant mieux... On dégage ? Non, c'est pas ça. T'es un être authentique, c'est vraiment super. En tout cas, moi, je te remercie vraiment énormément, Sandrine,
J'espère de permettre que la famille s'agrandisse de mon côté. Ça va être un cadeau du ciel que mes deux juments, bon, on va voir un petit peu. Là, c'est que le début, on est qu'à la, quelques semaines. Mais c'est vraiment une joie de t'avoir rencontré, vraiment. Et moi, je te remercie beaucoup de ta confiance. Ah ben alors ça, c'est vrai, en ça toute confiance, mais vraiment... pour toi, notamment Stella, oui. L'an dernier... De laisser ma jument, tu te rends compte. Les gens me laissent leurs chevaux, mais... Oui. Ah oui, ça c'était dur. C'est bien pour ça, parce que je sais l'attachement qu'on a. Donc je prends en fin de compte toutes les précautions c'est ça. Par rapport et à la jument. Et t'as toujours su me rassurer. Oui, c'est... Et c'est vrai que moi, ce qui me focalise, c'est comment est la jument, comment elle se comporte. Après, on joue avec chaman, mais pour moi, c'est la jument. C'est ça. C'est ça. Pour qu'elle soit bien, parce que le fait de pas arriver chez elle, en plus avoir un étalon, bien sûr. Donc souvent c'est des primipares, donc c'est un stress supplémentaire. Bien sûr. Le fait qu'on ait fait connaissance en amont chez elle, dans un sens, quand elle n'arrive pas en terrain inconnu, parce qu'elle nous connaît déjà. Et bien on sûr. A déjà, on va dire, échangé en feeling, de voir... Vous êtes scanné à deux, quoi. Voilà, c'est ça. Vous êtes regardé. Et c'est à ce moment-là, une fois que je vais voir la jument, où moi je dis mon oui, définitif. C'est ça. En fait, c'est ça. Parce que des fois, en fait, c'est ça que j'ai aimé aussi chez toi. C'est que nous, ok, on vient avec toute notre idée, j'aimerais avoir un poulain, mais toi, tu peux aussi refuser et dire non, je ne le sens pas. Et ça, je trouve ça vraiment super. Vraiment, vraiment. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des chevaux. C'est pas une question financière. C'est pour ça mon activité. Je n'en vis pas. C'est vrai que si j'étais milliardaire, je m'arrêterais de travailler. Tout mon argent passerait avec les chevaux. Les chevaux, bien sûr. Souci. Donc. Je peux me permettre de faire certains choix. Pareil, avoir des ongles dans un troupeau, ça sert à quoi des ongles? Mais non, ils ont leur rôle dans exactement. Le troupeau. Ils ont leur rôle. Là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est tout passionnant, on va aller voir tes chevaux. Oui, directement, merci.